Bonjour les CP. Alors aujourd'hui nous allons voir un nouveau son qui est le son ouin. Ouin, ça fait, c'est un peu le mélange de oua et de un, ça fait ouin. Donc comme dans du foin. Donc ouin, ça se fait avec O, I, N. Alors, vous vous souvenez que nos amis Lily, Hugo et Taoki sont allés en Arizona et ils sont dans un ranch et ils s'occupent des chevaux. Donc, ils sont très loin de chez eux. Et on va découvrir l'histoire demain. Alors, on va chercher les sons ouin ici. Bah, là, par exemple, il montre quelque chose au loin. Je peux juste là pour qu'on sache que c'est au loin, loin. Bah, bien sûr, le foin. Là, Taoki, il prend soin. S'occuper, c'est prendre soin. Du cheval qu'on connaît qui s'appelle Tornado. Vous vous souvenez que Hugo est monté sur Tornado. Il a fait du rodéo. Et donc là, ils sont en train de le brosser. Taoki est monté sur une aigelle pour être à la bonne hauteur. Et Hugo est en train de le laver avec le tuyau d'arrosage. Voilà. Donc là, on voit loin, prendre soin et le foin. Voilà, donc il y a un cheval qui est dans l'écurie et un cheval qui se fait laver. Donc, nous allons regarder si on entend le son loin. Donc, dans point. Donc, la main, quand elle est fermée, comme ça, que les doigts sont serrés, on dit point. Oui, on entend le son loin. Donc, on l'entoure. Là, c'est indien. Non. Alors, le nez du cochon, ça s'appelle un groin. Donc, oui, on entend. Citrouille. Non, on n'entend pas. Alors ça, c'est une tente. Non, non plus, on n'entend pas. Le foin, oui. Le chien, non. Et une épée, non plus. Donc, point, groin, foin. Alors, on va essayer de lire les syllabes. P, point, un P et ouin, point. Moins. Je et ouin, joint, soin, goin, foin, coin, point, soin. Donc, à chaque fois, il faut lire bien la syllabe ensemble. Vous allez avoir tendance à dire poids. Non, il faut aller jusqu'au bout. Le N, il va avec le O et le I d'avant, s'il n'est pas suivi par une lettre ou s'il est suivi par une consonne. S'il est suivi par une voyelle, bien sûr, la voyelle va avec le N et ça sera point, d'accord? Mais là, point, moins, joint, soin, goin, foin, coin, point, soin. Donc le G suivi d'un O, ça fera le son G. Pareil, le C suivi d'un O, ça fera le son que. Donc, ça fait coin. Le pain. Donc, vous vous souvenez que EU, ça fait E. EIN, ça fait un. Pain. Gant. Ro. Ca. Gue. Qui. Fli. Donc, une fois que vous avez bien lu les syllabes, vous allez passer à la fiche du son ouin. Et demain, nous continuerons et nous découvrirons l'histoire,
qui s'appelle Retour à l'écurie. L'écurie, c'est là où dorment les chevaux. Voilà, je vous souhaite bon courage. Vous faites la première page du fichier de Taoki. Et on se retrouve demain pour la suite.